Private Gen? Hmm? Private? Is the name of the street. I'm sorry, I don't speak your language. Can you actually sure. That one. It should be near from here. Thanks, that's nice. Where are you from? France. Ah, nice, säger man. Du har inte karta på, kan du vara din mobil? Jag har inte det, min är död. En död? Ja, jag vet inte hur man säger hej på franska. Hur säger man det? What is it, guys? Ja, bonjour. Yeah, you speak French, right? Bonjour. Salut les gars, alors je suis un peu en retard pour aujourd'hui, on se dirige à Stockholm, en Suède, retrouvez-moi tout à l'heure, je suis en galère totale. À Stockholm, donc je vais parler un peu fort, c'est bien. Je la connaissais pas, je ne la connais pas non plus. On a bien discuté, on s'est bien marré. Et là, on va se diriger au centre-ville. On a pris le ticket de train, c'est ça, pour aller en centre-ville directement. Cette femme n'était pas au courant qu'elle allait être sur internet quand elle est partie ce matin. Okay. No worries about it. I arrived first, yes? I arrived first? We are here? I arrived first. You don't know me? I buy a coffee for people in the street, I don't know them. Yeah. Sylvia m'a proposé d'aller boire un café avec son ami, habite ici, travaille ici. Et du coup on va boire un petit café, et puis il va falloir que je retrouve mon Airbnb parce qu'ici le soleil se couche à 4 heures. Je vais pouvoir dormir pour une fois. Bon, du coup j'ai quitté Sylvia et son ami. Je me balade un petit peu dans la ville. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Là je suis devant une église, donc je vais vous montrer. Me demandez pas le nom, je n'ai aucune idée. D'un style plutôt nordique. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. À mon avis, on ne peut pas filmer comme souvent, c'est très pénible. Est-ce que c'est ouvert déjà? Parce qu'il faut savoir qu'il est... Ah si, il est 11h quand même. Il est 11h30. Ah si, ça doit être ouvert. Et du coup sinon pour la journée là alors l'église qui est derrière moi elle est fermée, voilà, ça tombe bien, elle est fermée donc on va pas aller la voir. Je vais essayer d'aller dans la vieille ville à pied, c'est pas très loin. là, je suis devant une autre église. Oui, Vincent, dans tes vidéos, on fait que des églises, c'est chiant. En fait, c'est tout le temps fermé, donc en fait, on va jamais en faire. Tu fais semblant de vouloir faire l'américain. C'est pas en vous parlant que ça va se faire, parce que là je flâne tranquillou, le soleil s'éteint et il faut que je trouve le Airbnb qui se trouve à 1 heure de la ville. Donc mon Airbnb, en fait, j'ai fait exprès de le prendre un petit peu à l'extérieur. Apparemment où il habite il n'y a pas vraiment de commerce, enfin je sais pas trop à quoi m'attendre. Je voudrais une vidéo demain matin parce que la nuit je pense qu'on verra rien. C'est super joli, cette ville est vraiment magnifique, franchement elle est top là. Depuis que le brouillard s'est levé, c'est de la tuerie. Vous avez compris, dans ce blog, je suis sans amis. Du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve des potes. Les potes, un petit peu pour un skido. Oui. Ça de voyager tout seul, hein. D'un moment, tu viens un petit peu en haut, tu vois. J'ai peur de craquer mon budget effets spéciaux, les gars, parce que là, c'est beaucoup trop Hollywood pour nous, hein. Je sais pas pour vous là-bas, mais moi là j'en peux plus quoi. J'espère que vous avez des étoiles dans les yeux les gars, parce que là... Avec mon frère on est fan. Zelda c'est la base des jeux vidéo les enfants. Ma pote Johanna kiffe trop les Tintins et tous les trucs en rapport. Oh carrément. Alors pourquoi, me demande pas. J'en ai aucune idée. Alors on a fait un petit tour, on a fait un peu les geeks là, et j'ai toujours pas de ticket de bus. Oui je sais, oui. Ce vlog est totalement bien organisé comme d'habitude. D'ailleurs il faut que je pense aussi à changer un petit peu d'argent parce que il n'y a pas d'euros en fait en Suède. Ce que j'ai su au dernier moment. La super promo. Tout est... je vais y arriver. Putain j'en peux plus. Tout est normal, tout est tout à fait normal, parce qu'en fait faut que je vous explique un truc, pourquoi là j'arrive pas à parler. Bon d'habitude j'arrive jamais à parler, mais là en plus de ça, aujourd'hui température extérieure, là ça dit -4 degrés, température ressentie par Vincent, au moins 3000. Donc en fait ma mâchoire, vu que je suis dehors depuis un moment là, commence à avoir du mal à articuler, je commence à avoir beaucoup de mal. Je me dis que d'habitude il fait beaucoup plus froid ici, hein. J'ai dû aller au soleil là, tropique, l'île Maurice, tout ça quoi. La Guyane, la Jamaïque. Bon, j'étais Amsterdam, j'y étais presque. Il est un peu plus froid que la Jamaïque quand même. I need to take Darwin. Yes, you have to go downstairs. Yeah, sure. And you take the exit to the right, yeah. When you get there. Mm-hmm. There's a big bus terminal and you will see the bus, that bus. Okay, 444. Right. You have to go exit the station. Okay, I was thinking it was 280 the card. No, I was thinking it's expensive. No. Okay, right. Yeah. You speak French? Yeah, right. How do you know that? Your accent comes out a little bit. I have to listen very carefully. I know. Je parle français aussi. Vous parlez français aussi? Oui, bien sûr. Et comment ça se fait? Je suis camerounaise. Ah, du Cameroun, putain, super. Vous habitez en Suède depuis longtemps? 8 ans. Depuis... Et c'est sûr que mon accent... Ah, ça, c'est... Je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai du mal à repérer l'accent. Généralement, l'accent français, il est assez facile à repérer. Mais là, j'ai du temps de l'oreille. Je suis arrivé au bus et je dois changer. Et avant, le proprio m'a conseillé d'acheter à manger. Parce qu'apparemment, il n'y a pas du tout de magasin où il habite. Mais voilà, voilà le supermarket. Vlog au supermarché à Stockholm. Voilà, j'ai fait tous ces kilomètres pour aller au supermarché. C'est totalement génial, mais on fait avec les moyens du bord. Il y a des petites salades là. Non, that's it. Thank you so much. Have a nice day. Private again? Private is the name of the street. I'm sorry, I don't speak your language. Can you answer? Yeah, sure. Det här är ju det här är vi nu. That one. Privatvägen. It should be near from here. Thanks, that's nice. Where are you from? France. Ah, nice, säger man. Du har inte karta på, kunde jag få din mobil? Jag har inte det, min är död. En död? Ja, jag vet inte hur man säger hej på franska idag. Hur säger man det? What is it, guys? Ja, bonjour. Yeah, you speak French, right? Bonjour. You know few words. Yes. Great. Svägen. So it's that way? Yeah. Okay, perfect. And you see this. Oh. Thank you so much, guys. Okay. Okay. Have a nice night. Enjoy. Et du coup je me dirige là, bon vous voyez sûrement rien, je suis désolé, sur la caméra, je me dirige vers... Alors là, technique de filou, pourquoi j'ai le casque sur la tête, j'ai même pas de musique, c'est juste parce que ça me tient chaud aux oreilles. Donc je crois qu'on est arrivé, ouais, je crois que c'est eux, je vais voir un petit peu. Bonjour. Ah, bonjour. Hey. Vous allez bien? Enchanté. Très bien. Oui. Ok, this way. Hi. It's a bit cold, right? Oh. For you, maybe not, but for me, a petit peu. You speak French? A petit peu. Yeah. I like French. Really? I'm not so good. Nice. I really like French. So my mother was a part of the. Do you know? What is it called? L'Alliance Française. Oh really? Yeah, it's like a club. Here in Sweden. Yeah, it's like the fan club. So yeah. I know this association. Yeah, it's really like France and always friends everywhere. Yeah. We actually maybe you can help us. We're actually planning in the next vacation. So like my wife has never been to the French Alps. So like you must see the. Yeah, sure. It's amazing. There's a ferry to go to Finland. If you have a lot of time, you can go on those. Really? The big party ship, this huge party. Wow. Only youth people, only. Really? Only big nightclub. Really? Yeah, wow. They cost like 10 euro and you can go for 24 hours. Just 10 euros? Yeah, something like that. Well, more if you want to see. Yeah, okay, but it's not like 200 or something? No. Okay. No, super cheap. Great. But everybody's really drunk, there's a lot of. You did? It's a party thing. Coffee and tea and things. Oh, so that's so nice. Can I use it? Yes, of course you can. So you have coffee and tea, honey, sugar. Yeah, just coffee. I'm just coffee addict, you know. Yeah, maybe so. I did a little map for you. It's not super finished yet, but we are. I forgot to do an arrow where we are, but we're here. Yeah, sure. And I wrote some path if you want to, you know, walk around. If nice weather, like this blue one is along the water here. It's nice. Yeah, super nice. It's not so, but if you want to go for like half an hour, this is good. Perfect. And bah encore une fois, hein, comme quoi ça montre que de manière, il y a que des, en général, il y a beaucoup de gens cool quoi. Petit tour du proprio. Ce Airbnb, il est au top du top. Franchement, trop cool. J'ai hâte de voir demain ce que ça donne. Là-bas, on voit pas trop, mais en fait, les lumières, c'est un bateau de croisière. C'est la salle de bain. Okay. Et là, apparemment, ici, les gars, vous savez ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a un sauna privé. Yeah. Vous savez qu'avec moi, on essaye, tu vois, on essaye de faire un peu les Américains. Alors par contre, on va devoir l'allumer, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Thermostat à fond. Par contre, je sais pas... Merde, ça merde. Et oh, je suis pas un Américain, moi, j'ai pas un sauna chez moi. Et ouais, petit sauna, sans aucune pression. C'est marina, l'huile d'olive, c'est la base de la salade grecque. Merde, putain, je sais toujours pas manger, j'ai fait tomber la feta. Bon les gros, putain j'arrive plus à respirer, je vais me faire un petit sauna au calme, bien, je l'ai bien mérité, après la vie difficile que j'ai. Petite cuillère pauvre du moulet, oh putain j'ai fait un peu le mal, oh putain il fait trop chaud, la GoPro est en train de fondre, oh non, oh non, oh putain. Bonne nuit les frères et les sœurs aussi. Ce soir c'est bête et soirée, je consume ma vie de couche tard, mon cerveau va saturer, pour ça j'évite les stars. Y'a mon équipe qui m'accompagne, c'est pour ma clique qui boit le champagne et c'est ATOX, SLIN et Jaffar. Ce soir c'est bête et soirée, je consume ma vie de couche tard, mon cerveau va saturer, pour ça j'évite les stars. Y'a mon équipe qui m'accompagne, c'est pour ma clique qui boit le champagne et c'est ATOX, SLIN et Jaffar. Je me présente SID et l'attractive à la mode, sans mon pote maman mamatique, focus pocus à la preuve. Quand j'ai pas le temps de déconner, je vais décoller, je dois rayonner, B2 soirée ça me fait rêver quand j'entends vos voix résonner.